bord pour le regarder. Puis là, c'est là que j'ai vu ces lumières-là. Je ne sais pas comment vous décrire, là, j'ai fait le dessin. En tout cas, il y avait deux grosses lumières chaque bout. Deux grosses lumières, à peu près grosses comme ça. Deux grosses lumières. C'était pas blanc, c'était comme blanc tiré un petit peu sur le jaunâtre, là, tu sais. Puis c'était pas brillant, c'était mauve. Puis il y avait deux lumières rouges, une en haut, une en bas, puis une petite lumière verte comme ça sur le côté. En fait, de lumière, c'est tout ce que j'ai vu. Et puis on voyait pas d'autre chose à part de ça, on voyait pas rien. Alors, dans la soirée, c'était vers quelle heure, ça, c'est ça? Vers 11h25, à peu près. Entre peut-être 11h25, puis 11h30-35. Il m'a dit, regarde, que c'est ça. Il dit, regarde ça. Fait que c'est ça, là, je me suis revirée de bord. J'ai vu ça, ces lumières-là qui glissaient au-dessus des arbres, comme ça. Mais ça clairait les arbres, là. On voyait la petite lumière rouge en dessous. J'ai pas vu de lumière sur la cime des arbres. Il y avait ces lumières-là, puis c'est tout. Ça glissait au-dessus des arbres, comme ça, là, jusque là-bas, quand ça a disparu. Ça a été quoi votre première réaction? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Non, pas de crainte. J'ai pas eu de crainte. Sauf que c'était. On sait bien qu'à cette grosseur-là, c'était pas un avion, là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça. Non, j'ai pas eu de crainte. Est-ce que vous trouviez. De curiosité. Oui? Je dirais, oui. Oui, parce que, tu sais, quand tu vois quelque chose que tu n'es pas habitué de voir, tu sais, c'est ça. Ça vous a étonné? Que ça dure longtemps d'une certaine façon? Qu'on ait eu le temps de le voir comme passer comme il faut, oui, tu sais, c'est. Comment je pourrais dire, là? C'est une chose qu'on n'a jamais vue. C'était la première fois que vous voyiez un phénomène. Gros comme ça, oui. Oh oui. Vous avez déjà vu des phénomènes plus petits? Oui, j'en ai vu des plus petits, mais celui-là, là, c'était. En fait, grosseur, là, c'était quelque chose. Si on se fie juste d'après les lumières, là, c'était vraiment quand même assez gros. Là, puis le nombre de lumières? C'est... Ben moi, j'ai vu une grosse lumière chaque bout, deux lumières rouges, une au-dessus, une en dessous, puis une lumière verte, un peu d'habillée comme ça, en haut. Certaines clignotaient, d'autres non? Non, rien clignotait. C'était tout... C'était comme une image qui passait, on va dire. Là, ça, rien bougeait. Pas de son, très silencieux. Non. Est-ce que les criquets... Savez-vous, quand c'est arrivé, avant que ça arrive, oui, on entendait des criquets, puis les oiseaux de nuit, là, les petits oiseaux, mais après ça, quand ça s'est arrivé, j'ai pu porter attention à ça, fait que là, je ne sais pas. OK. Je peux pas dire oui ou non, là, je ne sais pas. J'ai perdu ça de vue. Un élément important pour nous, c'est toujours la disparition du phénomène. Est-ce que ça s'est fait rapidement, progressivement? Quand on l'a vu, il a passé au-dessus des arbres, toujours à même égalité, aller jusqu'au gros arbre là-bas, là. Oui. Puis un peu dépassé ça, j'ai vu les lumières, mais tout s'est éteint complètement, pareil comme si, tu sais, ça avait... Puis il n'y avait jamais en aucun moment un reflet sur... Non. Soit la... Non. Le toit de la grange. Aucun reflet. Du tout. Non. OK. Oui. Il était très clair, il n'y avait pas de lune. Les étoiles étaient belles, tout ça. Mais les étoiles, c'est en haut, là, tu sais. Ça bouge pas comme ça, là, des étoiles. Alors, vous venez souvent ici depuis plusieurs années? Bien, on vient au moins une fois par semaine. Moi, toutes les semaines, là, à peu près. L'été, à peu près, toutes les semaines. Puis l'hiver, on vient une fois de temps en temps. Et puis, lorsque monsieur dit qu'il a comme aperçu au fil des années qu'il y avait comme des routes dans le ciel... Oui, c'est parce que quand on regarde comme ça, là, on voit... Je ne sais pas si c'est des satellites ou quoi, là. On les voit passer quand même assez rapidement, là, tu sais. Alors, c'est comme une petite boule blanche, là, puis ça passe quand même assez rapidement, là, tu sais. Est-ce que vous pourriez nous résumer ce que vous aviez fait dans la journée? Dans la journée, moi, je suis retraitée, je ne travaille pas. Je me lève vers 9-10 heures le matin, ça dépend. Je fais ma petite routine, le petit ménage, puis l'après-midi, je fais un peu d'Internet. Je regarde la TV, ou je tricote, ou je lis. Ou... Après ça, bien, quand il arrive, je fais son souper. Une soirée bien ordinaire. Est-ce que vous avez lu un petit peu sur le sujet? Ben, moi, oui, ça m'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse, mais tu sais, je dis, je ne me serais jamais attendu à voir quelque chose de gros de même vraiment proche, là, tu sais. Tout à fait. Fait que... Non,
ça m'intéresse, puis j'ai pas eu peur. C'était comme une curiosité. Non, j'étais contente de voir ça, parce que je n'avais jamais vu de près comme ça. Mais, je veux dire, j'aurais aimé voir la forme, j'aurais aimé voir ce que c'était, finalement. Je me suis sentie frustrée, ouais. Parce que j'ai vu juste des lumières. C'est ça. Tu sais, mais à part de ça, tu sais, quand même, j'étais bien contente de l'avoir vu pareil, tu sais. Ça n'a pas occasionné de réaction dans la soirée ou la journée d'après? Aucune angoisse? Non, pas du tout. Est-ce que vous l'avez raconté à quelqu'un? Bon, mes enfants. Oui? Du tout. Il était ouvert d'esprit? Ah oui, oui. Ah oui, mes enfants sont bien ouverts là-dessus. Oui. Mais disons que, tu sais, je ferais pas exprès pour m'attirer, là. OK. Mais je suis contente de voir ça. Tu sais, je suis contente. On avait rediscuté par la suite avec maison? Oui, on a parlé. On se demandait qu'est-ce que ça pouvait bien être. Puis, c'est ça, c'est la curiosité pas mal. Là, à part de ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Là, lorsque vous en avez discuté, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient différents? Parce que ça peut arriver des fois que les mêmes personnes voient le même phénomène, mais de façon différente. Oui, bien lui, il voit des choses différentes un petit peu de moi. Lui, il dit qu'il a vu trois lumières en avant. Moi, j'ai pas vu les trois lumières en avant. J'ai vu, quand ça a passé comme ça, j'ai vu une lumière en avant, puis ce qui m'a semblé une lumière en arrière, parce que ça s'en allait comme ça. Tu sais, fait qu'il y avait une lumière blanche là, puis une autre. Est-ce que vous avez vu comme le derrière? Non, juste les lumières. Même avec mes jumelles, là, j'ai vu juste les lumières. Vous avez eu le temps de prendre les jumelles? J'ai pris les jumelles. J'ai pas eu le temps de regarder bien longtemps, parce qu'avant que tu t'en lignes avec les jumelles, là, oui. Quand je l'ai eu dans les jumelles, j'ai rien vu à part des lumières. Quand ça a passé au-dessus des arbres, là, c'était à peu près comme ça. Lorsque vous avez regardé dans les jumelles, est-ce que vous avez vu plus de détails? Non. Il n'y avait même pas des petites choses? C'était toujours la même forme de lumière? C'est la même lumière. C'est juste les mêmes lumières. J'ai pas vu de forme, rien. J'ai pas vu de forme du tout. Juste les lumières. Puis j'ai fait un dessin que j'ai donné à madame. Quand on est rentré dans l'auto, je me suis dépêché à faire un brouillon. Parce que quand je vois quelque chose, je fais tout mon dessin, puis pas le parle. Puis, là, c'est ça. Après ça, des fois, j'ai essayé de les relier, voir qu'est-ce que ça pouvait peut-être donner. Ça se pourrait-tu qu'elle nous faisait face, mais qu'elle s'en allait de côté? C'est une bonne hypothèse. Sait-on jamais? Le monsieur, ce qu'il nous a appelé, parce qu'on a entendu ce qu'il nous racontait, il a comme dit qu'il voyait l'arrière, puis que l'arrière était rectangulaire. Lui, c'est ça qu'il a vu. OK. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça. OK? Fait que... Moi, quand j'ai vu, là, quand ça l'a arrivé, quand il m'a dit de me retourner, c'était pareil comme si cet appareil-là, cette affaire-là, je ne sais pas comment nommer ça, là, c'était pareil comme si ça s'emmenait comme ça, puis que ça allait revirer de même. Ah! OK? Puis c'est là que j'ai vu, moi, les deux lumières comme ça, les deux lumières blanches au bout. Moi, j'ai dit à lui, j'ai dit, il me semble que je l'ai vu revirer, tu sais. Je suis pas prête à le jurer, mais c'est ça que j'ai dans ma vision. Il me semble que l'appareil a s'en allé et qu'elle a reviré. C'est peut-être là qu'il a vu, lui, trois lumières que moi, j'ai pas remarqué, que j'ai remarqué juste quand il a été reviré. J'ai vu les deux lumières comme ça. Je sais pas, tu sais, c'est vrai que les témoignages, lui, il a vu d'une façon, moi, j'ai vu de l'autre, tu sais, le même phénomène. Fait que c'était totalement silencieux. Ah, totalement. Ça l'a apparu du côté que vous ne regardiez pas d'abord. Fait que oui, vous avez ben, pas vu ce bord-là. Oui. Moi, je regardais premièrement les étoiles en haut. Puis lui, il regardait un peu, tout le monde scintillait. Puis à un moment donné, il s'est reviré de bord. Puis là, il dit, regarde. T'sais? Voyez-vous, nous autres, si on le voyait comme ça, il était peut-être plus loin, en arrière des herbes. Puis peut-être l'autre bord de ça, c'est un champ, je ne sais pas. Là, si vous émettriez l'hypothèse qu'il était peut-être plus loin. Oui. Ça aurait été beaucoup plus loin ou juste un petit peu plus loin? Ou ça semblait quand même pas mal où que c'était, ça au-dessus des arbres? Ça semblait pas mal, oui. Oui. Non, on voyait pas la structure. C'est pour ça, sur le brouillon que j'ai fait, j'ai relié les lumières pour voir si ça pouvait donner. Quelle sorte de structure que ça pouvait donner, tu sais. Tout à fait. Mais disons que ce brouillon-là, c'est pas vraiment... J'ai pas vu...
la structure, là. Okay. C'est juste dans mon idée, j'ai essayé de voir comment. Puis sa grande feuille, c'est vraiment ce que j'ai vu. C'est juste les lumières. Bien, ça va nous être très utile.